Ancre-toi, ancre-toi. T'es prêt, William? Ouais, ouais, ça en est un joli aussi. Je le vois pas. Il est sous bateau, il est sous bateau. Bon, salut à tous, du coup on se retrouve comme je vous l'avais promis pour la vidéo. Alors contexte un peu particulier, là on est sur l'eau, on est là pour le concours carnassier du Roseau Saumurois, donc à Saumur, jolie ville. On se retrouve, on va faire une compétition du coup sur 2 jours avec mon acolyte William, donc un copain qui vient d'arriver là des Lacs Landais. Écoute, moi je suis chaud comme une baraque à frites. Du coup là, ouais, c'est vrai qu'arriver sur la Loire, c'est vraiment pas un milieu dont j'ai l'habitude. Avec ses variations de fond et tout ça, mais bon, le cadre est magnifique. J'ai un coéquipier que je pense qui est plutôt pas trop mal. Donc du coup, voilà, je suis motivé et il me tarde demain d'attaquer la compétition. Ouais, ça va le faire, on est chaud. Je vous dis à demain matin, de bonne heure, de bonne humeur, chaud comme des fous. Et puis on essaie de rentrer du fiche le plus rapidement possible et puis on devrait faire une bonne place. Yes, carrément, chaud patate. Comme nous au lac. Ouais, vert à gauche et rouge à droite. Voilà, c'est ça. Tu vois, ça, c'est des bons spots, hein, c'est pour ça. Ah, t'es dans le sable. C'est bien de savoir, comme ça, tu vois, au final, tu sais que l'orage, c'est là, on bâche, là. Avant de se prendre l'orage dans la gueule, on remplit ici le côté bas, tu connais. Pas vu. Ouais. Hein? Ouais. Non? Si. Tu veux pas qu'on avance un peu plus? Tu peux accélérer un peu, moi. On se casse, on... Ouais, s'il te plaît. Le silure de 2,60, c'est aujourd'hui. Ça y est, c'est le jour J. On se retrouve avec mon pote William. Là, on est fin prêt. C'est le matin, là. On a mis le bateau à l'eau, tout. On a préparé les cannes, tout est monté. Hier, on est passé au magasin rapide là pour prendre quelques produits. On a pris quelques leurres là pour la compète. Donc, qu'est-ce que tu as choisi là? Bah écoute, on a pris un petit chubby, donc c'est un petit cran que, pour aller chercher les perches, les chevennes ou autre. Ensuite, j'ai pris un petit leurre de surface. Voilà, ça c'est plutôt pour le... Les risers, ouais, pour l'aspe. Le riser, c'est pour l'aspe plutôt, tu vois. Et après, quand même, un incontournable pour nos amis les persidés. C'est ça. Pour les perches, voilà, et puis toute espèce, mais le déracou. Voilà, donc je pense qu'on va cibler ces espèces aujourd'hui, si j'ai bien compris. Ouais, là on va aller chercher les perches en premier. Dans un premier temps, on va essayer de rentrer un quota le plus rapidement possible. Puis après, on va essayer de prendre des aspes. D'accord. Les autres poissons, on va tourner un peu sur le secteur. On a pas mal préfiché hier. On a regardé un peu. On a regardé pendant que préfiché, mais on a plutôt fait un repérage. Un repérage, on a pas pêché. Des dérives qu'il y avait à faire sur la Loire. Elle a un petit peu monté avec le niveau d'eau en plus. Donc ça va être pas mal. Avec la flotte qu'on a pris, on a encore pris pas mal de flotte cette nuit. J'espère que ça va activer les poissons, puis on verra bien. Allez, on se retrouve tout à l'heure, les gars, pour la pêche. Yes. La contrôle. Ouais, eux, j'aimerais bien que. J'ai le cul trempé. 51 au lieu de 52. On va le modifier sur vos fiches quand vous allez partir tout à l'heure. Et tu mets la 51. Au point de la troisième manche, c'est bon. Mets le cul. Regarde, ils vont tous tracer. Bon, vas-y, coupe, on va la pêcher d'en bas. Bon, voilà, mais c'est parti pour la compète. J'espère que ça va être chaud. Poisson. Épuisette? Non, c'est bon. Hein? C'est bon. Non? Non, c'est bon. C'est maillé. Ça y est, poisson. Premier fiche à la place. Je crois que je suis premier à prendre un fiche. C'est un as pour ça. Poisson? Poisson. Ah bien. Ah, c'est pas maillé. C'est maillé ça? Non. Ah, pas loin. Hein?
Ça se piche à sa mort. Qu'est-ce que tu veux pas qu'on aille vers là-bas? Laisse-toi couler un peu là. Ah bah, on les garde encore un peu. Ouais, bah non, attends. Tant que t'es là, on... Si t'es là, on va les... Vas-y, mais pêche-toi. Attends, je vais changer, t'inquiète. 25. Écoute, ça y est, on a rentré notre premier poisson maillé, donc c'est cool. J'espère qu'on va continuer dans la lignée. Là, pour l'instant, on est bien parti. Donc, j'ai mon collègue Jordan qui est chaud comme une baraque à frites, chaud, ouais. Excité comme un gitan selon de la caravane. Donc voilà, donc on est chaud patate. Derrière les pilous. Là. Tu me mets devant là? Non, derrière. Bon, est-ce qu'elle est derrière là? Je vais pas trop circuler avec le moteur électrique comme ça. Faire gaffe devant là, si tu peux. Normalement, il y a de l'eau. Lancer, poser, tirer, ferrer. Et tu jettes? Ouais. Ouais. C'est un choc, ça, je pense. Oh, c'est une perche. Six. Vous savez qu'elle y était là-bas, derrière le pont? Masta! Une masta, mon gars. Hein? Attends, fais ton nœud. Ça va? Ouais, ça passe. Je vais mettre un petit blanc et rose. Je suis pas une bombe latine. Une bombe latine. Laisse-moi kiffer la vague avec mon mec. C'est maillé. 26. Ben voilà. 33, s'il te plaît. 33. Ouais. J'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue enchanter ma vie. Alexis ? Alexis ? Attends. Oh, elle est belle. Épuisette. Je sais pas, ouais, j'ai l'impression. Hein. Non, c'est coup de tête d'une perche. Ah, elle est grosse. Alexis ! Ah, voilà. Regarde, coffret. Ah voilà. Là, c'est mieux. C'est mieux. Là, on peut un peu mieux discuter. Une belle perche de la Loire. Hein, mijotée avec son argent. Une belle perche de la Loire. Voilà, celle-là, ça va compter, ça va faire des points. Donc, on est content, on est en feu, on est en bombe, on est chaud. Salut, elles sont moins à tomber de la marche. Tu descends à la marche, tu prends des sacoches, mon pote. Je serve à rien. Oh putain. Encore une. Elle est pas maillée, celle-ci. Pas maillée. Bah là, on vient d'enchaîner les poissons, là, derrière les piles, là. On a fait trois perches maillées, celle-ci pas maillée. William en a fait une aussi au... Pas maillée. Au chubby pas maillée, là. En fait, elles sont derrière, là. On essaie de les pêcher dans les amortis, parce qu'il y a beaucoup de courant, mine de rien. On essaie de les pêcher dans les amortis, là, soit en drop, soit au micro-jig, ou des raccous, chubby. On essaie de faire les poissons comme ça. Là, en drop, ça marche plutôt pas mal, parce qu'on arrive à descendre dans la marche et puis arriver à y rester le plus longtemps possible. En insistant, en faisant du surplace, là. Donc, pour l'instant, c'est ce qui nous fait prendre des poissons. On va essayer de continuer comme ça. Si William s'accroche pas trop dans les marches. Ouais, là c'est maillé par contre. J'ai essayé d'en refaire une. Putain. J'essaie de faire la pile de gauche avant que les autres y aillent là.
le roi du double nœud, c'est WAM. Et t'en as mesuré des comme ça ou pas? 31. Ouais, 31. Je la relâche? Ouais. T'en as mis comme ça ou pas? Il y a eu 26, 25, 23, 24. Bon, on bouge. Ouais, on en a trop aussi, nous. Là, de toute façon, on va faire ça. Après, si personne fait des piques, j'ai l'impression. Poisson. Non. Oh, c'est mal large, ouais. Au drop encore. Derrière les pierres. Sinon on fait encore une et on a le quota. Et après on peut laisser tarder sur autre chose. Ouais, c'est tout. Ouais, bah oui. Il est passé devant. 33, pardon. Il y en a qui vont pas le faire, le quota. Si. Elles sont faciles à prendre. Attends. Allez, fais pas, elle est juste. Juste chez juste celle-ci. Yes. 33, toujours, s'il te plaît. Yes. Bon, c'est vrai, quand t'as perche de fée, on pourra enchaîner. On essaie d'aller faire les as maintenant. Tiens, regarde. Je t'ai dit que j'ai pris une touche. Parce que la tête du leurre. Après, la 20, tu vois, faudrait qu'on la remplace quand même. Si tu sens que ça nage pas. Est-ce qu'elle est mieux celle-ci? Oh, je la perds, mon gars! Elle était belle? Je pense qu'elle était mieux. T'as vu? Et là, notre gros problème, en fait, c'est qu'il y a les kayaks, donc on peut pas déjouer. Tu vois, elle est pas faite, la bordure à droite, là-bas. Là-bas? Ouais, il y a des brocs, en fait, les gros brocs, là, on les touche dans le bras derrière quand elle est haute, en fait. Et un riser ou... Tu continues avec la canasse? Ouais. Ouais. Genre de surface? Ça, celui-là? Ouais, ça tu peux. Ou alors descends un peu dans la couche. J'ai vu, t'avais un squat minot ou un truc comme ça. On arrive à faire des chubs aussi en même temps. Regarde. Les mulets, mon gars. C'était des mulets, en fait. Thank you.
l'art de voir les bateaux. Ouais, elles prennent toutes la même taille, mon gars. Et toi, elle est peut-être un peu mieux. Ah ! On dit merci qui ? C'est William. Et celle-là ? Ça serait mon premier poisson maillé de Loire. Attends, il faut la pince, putain. La pince ? Ah, mais ouais, mec. Ça, c'était une plus grosse, par contre. 21. 21 ? Ouais. On prend. Plus que 20. Bah oui, on prend. Ah, tu t'es décalé là, mec. Ouais, mais il y en a des plus grosses à faire, c'est pour ça. Là, faut essayer d'en faire une pas trop vilaine. J'ai pris des sacoches, mon gars. Il reste un quart d'heure là ? Même pas. Sous-bateau, il va se couler là. Là. Yes! Yes, mon gars! C'est quoi la maille? Oh, c'est 25. Oh. On est large, on est large. Putain, le con! Tu t'es ancré là? Ouais, ouais. Voilà! Fais voir. Trop petit. Prends un marron, là. Plus grosse tête en marron. Poisson. Encore un. Ouais, ouais, c'en est un joli aussi. Ah, c'est un beau encore. C'est ah ouais. Bon ça. Ancre-toi, ancre-toi. Non, 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 parce qu'avec le courant, sinon il met la race. Le bâtard. Il va arriver, il va arriver, il va arriver. Fous-moi ça là-dedans. Yes, yes. Allez, yes, mon gars. Yes, 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 yes. Les pose, mon gars. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, faire chaud, mec? Je te les pose, mon gars. Je te les pose. Tu voulais des chubs cet après-midi. On a dit des chubs. Oui, mais moi, c'est moi. Je veux notre ouais, moi. Toi, tu fais comme tu veux. Et tu m'as voulu. Bon, là, on verra après. Je vais ravancer au thermique. Faut qu'on repasse là-bas. Ouais. Tu peux me le mettre en attendant, s'il te plaît? Ouais, je te le mets. Alors attends. Je scanne deux secondes. On scanne deux secondes. Ouais, 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 c'est bon. On va pas chipoter. C'est bon? Tu l'as? Chub. Putain, j'espère qu'on va pas se barrer. Non. Attends, attends, attends. 51, c'est le plus gros ou c'est le plus petit? Ah, c'est plus gros. Attends. 45. 51 et 45. Yes. Donc du coup, écoute, on est plutôt bien dans le classement, voilà. Merci. En voilà une de moins. Voici son frangin, voilà, un peu plus petit mais joli aussi. Voilà, de superbes couleurs, hein, des petites torpilles de la
de la Loire. Donc voilà, écoute, c'est pour ça que j'étais venu. Du coup, je suis pas déçu. Il faudrait que j'en attrape un, mais ça va venir. Allez, à 10 chattes. Hop là. C'est pas bon signe. Avec le léger petit vent de merde qui est arrivé là, tu vois, on voit plus. Quelle couleur quand même. On va remonter, on va aller. Allez, en bouchant du Touet, j'ai un spot, il peut y avoir un cheveu, je pense. Il est attelé là ou pas alors? Oh, c'est un aspect, c'est un aspect, c'est un aspect. Attends. Je sais pas s'il fait 25 ce bâtard. Bouh, je te l'avais dit, tranquille, moi c'est la conscience de tranquille. C'est bon, il est plus large. Ah bah ouais. 29. 29. Ah, tu l'as pas vu? Merde. 29. Allez, rangé. On plie les gaules, mon petit. On verra ça demain matin. Bon bah, fin de la première journée du coup. Yes. Bon, on a fait... C'était compliqué cet après-midi. Un petit peu compliqué, ouais, mais bon, du coup, on s'en est... Je pense qu'on s'en est pas mal sorti quand même, malgré tout. Ouais, on a fait deux chubs pas trop vilains en asp. Plutôt pas mal. Ouais, c'est cool, c'est cool. Du coup, deux nouvelles espèces qui rentrent. Ouais, ce qu'on voulait en plus. Mais ouais, va falloir qu'on réitère demain matin. Ouais. Demain matin, qu'on retourne sur les spots où on a vu les poissons, là. Et puis, on devrait pouvoir en rentrer quelques-uns en plus. Bah écoute, j'espère. En tout cas, on sait déjà comment demain on devrait attaquer l'histoire. Ouais, ouais, faut qu'on descende en bas direct sur les poissons, on a pris les poissons. Et puis, normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Ok, ok. Mais écoute, moi, je suis chaud. Ouais. Ce soir, on va attaquer notre deuxième soirée. Et écoute, j'espère que... Si ça se passe comme la première, ça devrait être bien. Si ça se passe comme hier soir, ça devrait être bien. Donc du coup, il me tarde de faire la fête un peu avec tous les pêcheurs dans la bonne humeur et la bonne ambiance locale. Apparemment, je m'y adapte pas trop mal. Mais voilà, du coup, on se voit demain. Allez, bonne soirée à tous. Adi Chat et Pycon. Ciao. Pourquoi je dis ça? C'est ce que je dis sur ma chaîne. Ah ouais, bon, bah, c'est sympa en tant que water. Ah ouais. En plus la grenouille il faut leur laisser le temps. Là le réveil a sonné, j'ai l'impression que je venais juste de fermer les yeux là. Ça... Non. Vous êtes en forme? Non non non. Motivé? Oui. Bon, on en a moins. Hein. Donc continuez surtout à vous faire plaisir, à vous amuser. Continuez. L'air de saumure n'est pas bon. Fairplay. Vous la batterie. Ne venez pas là. Être zen. Vous mettez la batterie. Au niveau des pilotages et de la tombe. Parce qu'il coûte comme ça. Ah, c'est parti? Ça va. Moi, ouais, je bois pas de café alors. Putain. Bonne. Tu bois même pas de café, loup, Coco? Attends. Je passe eux. Allez, attaque comme eux. Attaque comme eux. Donc salut à tous, mais ce matin c'est la troisième et ultime manche du challenge carnassier Saumur. Et donc du coup ce matin on a mis une petite stratégie en place, on va essayer de faire notre quota chevenne. Si on arrive à le faire, je pense qu'on peut peut-être piquer la première place parce qu'on est deuxième pour l'instant. Donc voilà, écoute, on a mis une stratégie en place, on va essayer de s'y tenir. Et après, peut-être que même si on y arrive, on va peut-être essayer de voir s'il n'y a pas un brochet qui se balade dans la Loire. Voilà, pour tout vous dire. Bon, écoutez, rendez-vous tout à l'heure pour vous dire un peu ce qui va se passer.
entendu, je te laisse pas. Ah, pour faire ça, on aurait pu se lever déjà plus tard. Attaquer la compète à 9h. On aurait pu attaquer la compète à 9h, moi. Les aléas de la Loire. Je me disais, putain, en plus j'ai des guidages et tout, moi franchement. Là ça sonne fort. Trop confiant. On va pêcher les glames. Je vais tout tenter, je vais pêcher que les glames. Donc écoute, ah, mais là moi je me vois la pendue avec un glanus rochus. Et regarde, et moi regarde. Un black bass. Moi je te pose une perche. Non, je t'accrochais à ça, regarde. Si c'est ça qui t'a fait cette touche, c'était pas ça au début, non. Oh, je suis vert, je pensais que c'était un chub. Un petit brochet. Vas-y, attends, relâche pas. Comme. Ça a été. Alors, on va commencer déjà. Tu vas être premier. Gentiment. Bon, bah, les gars, voilà, c'est terminé pour cette compétition. Hyper dur ce matin. Donc, du coup, ce matin, bah, tous les plans qu'on avait prévus, bah, ils ne sont pas passés comme on avait pensé. Donc, bon, bah, écoute. C'est la pêche. Ouais, 7e, bon, c'est déjà pas mal. Hier, on était deuxième hier soir. Hein, deuxième hier soir, et là, on a chuté à la 7e place. Ouais, on chute à la 7e. Bon, après, voilà. Il s'est fait beaucoup de poissons sur le haut du parcours. Nous, on avait décidé de descendre tout en bas. Tout en bas, il s'est pas fait grand chose. En remontant, on casse l'hélice. ça nous a pas arrangé non ouais, plus. Ouais, voilà, ouais. Donc, la hélice du Fish Pro, apparemment, c'est les aléas de la Loire que je connaissais pas. C'était une découverte pour moi, donc il faut passer à certains endroits à fond. C'est ce que j'ai fait, bête et discipliné. Mais du coup, écoute, l'hélice a touché un caillou et du coup ça m'a cassé une palle. Mais bon, ça fait partie de la pêche. Mais j'ai passé en tout cas un super moment. J'ai découvert, Jordan, on ne se connaissait pas avant, hormis sur internet. Du coup, c'était voilà, c'est hyper cool. Moi je suis content d'être venu, j'ai pas fait 4 heures de route pour rien. Non, ouais, on a passé un bon moment, un bon week-end avec tout le monde. C'était super sympa, on a bien mangé. Franchement, c'est un concours qui est hyper agréable à faire, tu vois. C'est vrai. C'est hyper convivial, c'est sympa. Et cette année, il s'est fait quand même beaucoup de poissons. Sur ce, on va vous laisser, les gars, avec de superbes images. Et puis, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Ciao, les gars. Ciao, les gars, du chat.